Maintenant, j'aimerais vous parler de quelques-unes de nos réalisations en 2013. L'une des grandes préoccupations de la part de la Mauricie consiste à bien répondre aux attentes de ses partenaires et clients et à bâtir avec eux une relation de confiance à long terme. Notre stratégie de responsabilité sociale d'entreprise s'articule autour de 5 piliers fondamentaux, soit nos clients, nos employés, la relation avec nos fournisseurs, la collectivité et l'environnement. Depuis des années, nous travaillons à bâtir notre avenir sur ces piliers, car pour une entreprise comme la nôtre, le grand défi, ce n'est pas de se dénaturer et de garder notre mission bien en cible. J'aimerais donc remercier tous nos partenaires d'affaires et nos employés qui ont permis de réaliser cette année encore plusieurs des défis que nous étions fixés. On voulait vous dire à quel point que vous êtes important pour notre entreprise. Merci, vous êtes très important. Cette année, avec votre collaboration, nous avons réalisé plusieurs de nos projets et développements. Nous avons travaillé fort à mettre l'accent sur le développement des produits régionaux avec des partenaires locaux pour le développement économique local et la préservation de l'environnement. Nous avons instauré des stationnements incitatifs en collaboration avec le transport collectif de la MRC de Masquinongé. La Porte de la Mauricie est aussi présente sur la table de concertation du Sarrasin. Nous avons aussi réduit considérablement notre empreinte écologique en réduisant notre consommation d'électricité par de l'éclairage au DEL et notre consommation d'eau par des systèmes d'économie d'eau. Nous avons aussi mis en place un système de récupération de matières résiduelles. Nous souhaitons remercier nos employés bénévoles qui nous ont permis, encore cette année, de pouvoir offrir 555 spaghettis gratuitement au profit du Noël du pauvre. Et cela pour une 23e année consécutive. Merci aux employés. Merci. Nous avons aussi aidé au développement de la collectivité en étant partenaire de différents événements sportifs, culturels et sociaux. Nous avons aussi travaillé avec des intervenants du milieu comme le Carrefour Jeunesse Emploi, la SADC et le CLD à la valorisation de la main-d'œuvre. Donc, nous avons aussi travaillé avec des intervenants. Tous ceux que je vous ai nommés, là, c'est des gens qu'on côtoie à cette heure, à toutes les semaines, à tous les mois. Ces gens-là nous aident et on est aujourd'hui beaucoup meilleurs grâce à eux. Et merci parce que vous êtes importants pour nous. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais dire merci à toute l'équipe pour le travail accompli. Il ne faut pas baisser les bras. Une autre année s'amorce. Le changement dans les habitudes de consommation et le contexte économique plutôt fragile sont des obstacles que nous désirons transformer en défis en 2014. Nous serons là, soyez sûrs, la Porte de la Mauricie. Tantôt, je vais vous présenter notre projet 2014 pour vous démontrer que les défis, comme M. le maire le disait tantôt, on est là pour en relever, mais grâce, parce que vous allez être là à nos côtés. Voici les grandes lignes de ce que nous avons accompli cette année. Pour la suite de la soirée, j'inviterai Mme Ghislaine Dénommé, coordonnatrice du Gyroscope, à venir me rejoindre à l'avant. Nous voulions profiter de ce moment de rencontre afin de faire une petite différence dans notre collectivité. Ayant été sensibilisés par notre entourage sur l'importance
du support lorsqu'on est touché de près ou de loin avec la maladie mentale. Nous avons décidé de vous demander une contribution volontaire pour le gyroscope du bassin de la MRC de Masquinongé. Un organisme qui aide les gens de la région. J'aimerais donc vous présenter la coordonnatrice du gyroscope, Mme Ghislaine Dénommé, afin de venir expliquer brièvement ce qu'est le gyroscope. Madame Dénommé, s'il vous plaît. Bonsoir. Merci, un mot simple me remplit de gratitude de la part du gyroscope envers la part de la Mauricie et tous ceux qui ont contribué au montant que nous allons recevoir tantôt. Merci, M. Bellemare. Merci au frère Quintal. Quelle belle surprise fut pour le gyroscope quand nous avons appris que la part de la Mauricie avait pensé à notre organisme pour nous remettre cette contribution. Nous nous sommes sentis vraiment privilégiés. Merci, Mario encore. Maintenant, je vous parle brièvement de notre organisme. Le gyroscope existe depuis près de 20 ans. C'est un organisme qui vient en aide aux familles et aux proches de la personne atteinte d'un trouble de santé mentale. Nous leur offrons à travers différents services du soutien, de l'information, de l'écoute et autres services répondant à leurs besoins. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est encore difficile pour les proches de parler de santé mentale, soit de leur enfant ou autre. À qui en parler? Que dois-je faire? Plusieurs questions qui souvent restent sans réponse. Voilà pourquoi existe le gyroscope qui tente de répondre à ces inquiétudes. Nous desservons le territoire du C3S de Masquinongé qui couvre 12 municipalités. Nous sommes situés, nos locaux, au centre communautaire à Louisville. Encore une fois, un très grand merci et je pense que je peux dire que la passion que les frères Quintal ont. M. Bellemare, je pense que votre passion est contagieuse parce que quand on vient à la porte de la Mauricie, on est toujours bien servi. Puis c'est vrai que l'accueil, je le dis, mais je le confirme, tous ceux du gyroscope, on est fiers de venir toujours à la porte de la Mauricie. Puis ce soir encore, avec qui qu'on a travaillé, les Martines et les autres, bravo, bravo à l'équipe de la famille Quintal. Bravo, M. Bellemare. Nous sommes vraiment contents et privilégiés, je me répète, mais du fond du cœur, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai demandé à Mme Dénommé de rester à mes côtés tantôt parce que j'ai une employée à la porte de la Mauricie. On lui a demandé, tu voudrais-tu venir faire un petit témoignage? La personne me dit, Mario, tu sais que je suis pas à l'aise trop avec ça. Mais elle dit, pour la cause, je relève le défi. Donc, j'inviterai Daniel, ma belle Danielle Lupien, à venir voir, venir nous dire un peu qu'est-ce que tu as vécu avec le gyroscope. Puis je vais rester à tes côtés avec Mme Dénommé. Bien, bonsoir tout le monde. J'aimerais prendre 2 minutes ce soir pour vous parler de santé mentale. Les problèmes de santé mentale sont encore un tabou important dans notre société aujourd'hui. Nous possédons tous le même équipement, le cerveau. Mais malheureusement, il n'y a pas de garantie prolongée sur cette pièce-là. Lorsqu'une personne proche de vous est touchée par la maladie, on a tendance à s'isoler, on a peur du jugement et on a peur de ne pas être compris. Le message que je veux vous passer ce soir est le suivant. Si vous vivez cette situation, n'hésitez pas à briser le silence. Le gyroscope est là pour vous. L'accueil dont j'ai personnellement bénéficié fut pour moi le début d'une grande découverte. Me rendre compte que je n'étais pas seule à vivre des moments difficiles. L'écoute et le partage sont le début de ce
sont la base des grands changements. Je désire donc remercier le gyroscope d'être simplement là, sans jugement. Merci d'avoir fait une différence dans ma vie. En terminant, je tiens à remercier mes patrons qui profitent de cette rencontre pour eux aussi faire la différence dans la vie de certaines personnes en vous donnant l'occasion de contribuer à briser le silence. Merci de votre générosité. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Daniel. Merci beaucoup. Maintenant, j'inviterai Mario Quintal à venir dévoiler notre montant que tous nos partenaires ont contribué ce soir. Donc, tu caches le côté. J'inviterai aussi à l'avant Mme Turner. Mme Turner, qui est la présidente du conseil d'administration. Si vous voulez, vous venez, Mme Turner. Et Mario, je te laisse dévoiler le montant. Vous avez ramassé un montant de 2000 $. Madame Turner, voulez-vous prendre la parole deux petites secondes? OK. Merci à Marc. Merci à M. le maire. Puis à tous les invités qui sont ici à soir. Puis merci à tous ceux qui ont donné. Vous avez rendu des cœurs, un cœur heureux. Puis Daniel... Eh bien, aujourd'hui, parce qu'elle peut parler. C'est ça que le gyroscope. Merci à Mario Belmao puis aux deux frères Quintal. Bon, c'est ça. Merci. Merci beaucoup.